Yeah, man. Princesse Aïchita est là pour vous rappeler le maintien des filles à l'école. Est-ce que vous êtes pour? Il faut aller à la maison.
Tawi jom jibinam, tawi opital jom jibinam,
pergi certes pas d'accouchement un primaire ou la sage-femme ou le médecin au karma si a dit au niveau de la mairie fils photocopier de nene et baba ou l'excellent nene et baba on va le déclarer tu gagnes mal si tu as vu que tu gagnes des tribunaux on a hôpital au cas où on a mis la déclaration à domicile si a arrivé au niveau de la mairie elle doit faire copie carte mère et dépôt CD puis le mère va au wadé CD pour que elle ait une carte nanga galero garante de faire la déclaration donc elle a dit hey jerga au doit arte pour wadé la déclaration comme le jerga il est présent beaucoup dans le quartier va y aller se présenter doit carte au quartier pour une mala déclaration donc kala mene ba ni facilité mene ko ki jarta be ko ete de kay de quartier si ay hikala ni jarta do mo lay ma wadde rene be de kay makko si mo ari au niveau de la mairie e ba na ko déclaration e ni mo ni kala déclaration o je be hati e bu do ay wara ari mo ba ni ma déclarer mo ko kama fo le numéro 1 ma la ko andi ba to pa da wadde extrait yo on va se gatta ma copie, je vais copier 350. Ce que dit, c'est un vrai chapandé. Donc, tout cas, c'est divinant. Et c'est la haine. Si tu as une journée, quand on parle de man, vous pouvez vous envoyer à l'agent de mairie pour qu'on rase un mari. Une déclaration de naissance. Dans les montagnes, l'hôpital de Dana, puis au bout de water. C'est la même chose. Seulement, déclaration, oh, il y a un délai. Je dis qu'il y a un délai. Si il y a aussi un délai, non, forcément, comment on va aller à jugement. Ici, il y a un hôpital divin. Mais bon, on va faire un an de délai, 12 mois. Mais au-delà de 12 mois, depuis ça, quoi dire. Donc, au jugement, bata. Comment on va aller à ce cas de non-inscription de naissance, bata, photocopie, bata, de baba et nene, ou alors, quand il y a un tribunal de nene et baba, il n'y a pas assez de vidéos. Mais maintenant, on va requête au là-bas, il y a un président du tribunal, par une la audience. Pour savoir que vous comment vous voyez des jugements supplétifs. Vous le calendrier au niveau de la mairie, pour voir avoir des transcrits qui va cahier du tribunal. Donc que ça soit un tribunal hôpital, voilà un tribunal galé, fof, qu'on le voit, dès le calendrier pour quoi. C'est-à-dire que nous bien toujours, une fois important, une bonne date, tu vas y avoir assez de temps à la cahier. Il doit lutter contre ça, pour que ça l'aille. Le niveau de l'initiative est tout voilà qu'a déclaré au bout d'un an. Si le petit lieu est horrible, donc par parent, il doit faire à la nouvelle année, il va le déclarer à temps, c'est-à-dire qu'il va le jugement. Si tu as une autre petite chouquette, il y a un CM2. Si tu as une autre petite chouquette, si tu as une autre petite chouquette, si tu as une autre petite donc là, c'est un problème. Parce que le niveau est toujours perdu une année. C'est-à-dire le jugement va y avoir une part. Voilà, on me transcrit. Allez, il faut que c'est encore 4 ans pour le niveau. Donc, je vais me voir une agade. Moi, quand je vais pas mal, il y a un peu de temps. Je ne sais pas faire. Parce que une presque je vais faire. Quand je vais me jugement, je vais me faire un jugement. C'est un rien. C'est qu'on transcrit, je vais me transcrire. Donc, ma volée, le numéro 1. Le volet là, il est voilà. Joni ko excel ni ndo koy tassi fa la mo ko 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 to dara donc min sikani ko fo tati de hande do hande o jabal ko mon dum sikani fo tati de suka donc ene fa ene ko hen wadde des effort pour que baawi wadde rele de defi o ansam sa ko baawi ni je ke merci beaucoup ça c'est vous savez pour ce qu'on appelle la déclaration de naissance c'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose juste après une naissance au niveau de l'hôpital, vous passez au niveau de la mairie, munie de votre certificat d'accouchement, délivré par un médecin, une sage-femme ou un infirmier. Vous venez avec les deux photocopies de carte d'identité des parents. Là, on vous prend immédiatement. Bien que vous venez avec les deux extraits de naissance des parents, on vous prend, vous faites la déclaration. Si vous voyez par exemple celui qui est né à la maison, ou à l'hôpital, ce sont presque les mêmes déclarations. Sauf que peut-être, au niveau de la maison, c'est-à-dire un accouchement à domicile, là, vous êtes muni des pièces des parents, ou bien des extraits des parents, plus deux témoins qui vont se présenter pour témoigner. Il y a également le chef de quartier qui peut vous faire une déclaration, puisque là, on leur a remis des cahiers de quartier,
juste après la déclaration, il peut se présenter chez le délégué de quartier, il vous prend dans son cahier, qu'il va transmettre au niveau de la mairie pour faire une déclaration. Donc toutes les déclarations, c'est valable. Et également, maintenant, si vous voulez, il y a aussi des déclarations, comme on le dit, des gens qui font des jugements. Ça, si par exemple, maintenant, vous êtes né à l'hôpital, vous ne vous présentez pas, au-delà de 12 mois, vous avez fait le coup à un jugement. Et c'est la même chose aussi pour quelqu'un qui est né à domicile, qui ne s'est pas présenté, au-delà de 12 mois, on vous fait ce qu'on appelle un certificat de non-inscription de naissance, vous allez au niveau du tribunal. Maintenant, après l'obtention d'un jugement cyclétique, vous vous présentez au niveau de la mairie avec ce jugement pour faire une transcription. Et donc là, la déclaration devient une déclaration tardive. C'est après juste le délai. Premier temps, je pense que la responsabilité, c'est en tout cas c'est du côté des parents. C'est les parents qui ont été plutôt responsables de cela. Parce que vous ne pouvez pas avoir votre enfant, vous ne le déclarez pas depuis le bas âge, pour le laisser aller jusqu'au CM2 pour trouver un extrait de naissance. C'est ce qui est d'ailleurs anormal. Parce que tout enfant, juste après la naissance, doit d'abord avoir un extrait de naissance. C'est son droit le plus absolu. Et maintenant là, parfois, on voit des enfants qui vont jusqu'au CM2. Ils n'ont pas d'extrait. Là, je vois que c'est les enseignants même qui les appuient en leur faisant des jugements. C'est-à-dire qu'ils demandent les pièces des parents. Ils viennent avec deux témoins. Je pense que des familles, c'est les enseignants qui peuvent témoigner. Tous les élèves de l'école, ils se présentent avec la complicité du président du tribunal qui les aide quand même à avoir des jugements. Maintenant, après ça, ils viennent pour la transcription. Ou bien également aussi, c'est des gens qui travaillent avec les projets qui les appuient aussi pour l'obtention de ces extraits. Mais je pense qu'il n'est pas tellement quand même normal de laisser un enfant aller jusqu'au CM2 pour trouver son extrait de sang. Je ne dis même pas le CM2, il ne doit même pas rester plus d'un an sans avoir un extrait de sang. Parce que c'est ce qui cause d'habitude beaucoup de problèmes. Et voilà, souvent ils vont faire les examens avec des requêtes. Et quand ils vont en 6e aussi, ça cause problème. Parce que même une fois arrivé en 6e sans extrait de naissance, et que vous faites un examen avec une requête, on vous fait une transcription, déjà vous êtes en 6e. Vous avez déjà un an de retard pour faire l'affaire. Et c'est des cas qu'on rencontre très souvent au niveau de l'année. Et là, ça cause problème. Donc nous, ce qu'on peut demander aux parents, c'est de tout faire pour déclarer les enfants à temps. Et que même s'ils ne le font pas au bout d'un an, qu'ils se présentent au niveau de la mairie pour leur faire des jugements le plus rapidement possible. Alors même d'intégrer, par exemple, l'école. C'est comme ça. C'est ça. Yeah, man. Princesse Aïchita est là pour vous rappeler le maintien des filles à l'école. Est-ce que vous êtes pour? Faya bonne fin de fille.